Bonsoir, une nouvelle médaille d'or pour Djaouet, c'est la quatrième, le meilleur athlète de la compétition. Un Djaouet explosif, on va dire, aujourd'hui. Ouais, sur toute la compète, ça fait même quelques semaines là où, enfin, ça a été cette saison. Ça a été une vraie révélation et même de là, j'ai réussi mon objectif, c'est 4 médailles d'or. Là, de Sambrage, j'ai affronté le Jordanien qui a fait une demi-finale au championnat du monde. Il est dans les 12 meilleurs mondiaux. Je savais que ça allait être compliqué, il fallait partir, j'ai réussi à faire ma course, j'ai bien géré. J'ai pas paniqué, j'ai fait une course exceptionnelle, je bats le record d'Algérie, le record des championnats. Je pouvais pas faire mieux aujourd'hui. Et là, il me reste encore le relais, mais je suis vraiment content d'avoir représenté comme ça l'Algérie aujourd'hui. Et à d'autres succès, Inch'Allah. Djaouet, 4 médailles, là on vise loin. Il n'y a pas que de la pression, il y a aussi du rêve. Quel est le rêve de Djaouet aujourd'hui? Bien sûr, c'est d'entendre 3 semaines sur une compétition internationale. Et ça commence par là, ça commence étape par étape. Ça me met en confiance. Et là aujourd'hui vraiment c'était du plaisir en plus avec le public, c'est vrai que ça fait encore un petit peu plus de pression mais je m'en sors super bien et je les remercie d'avoir j'entendais sur la fin de course. Après on voit clairement sur mon 200 braises d'aujourd'hui que j'ai encore beaucoup de marge, que peut-être cette dernière semaine j'ai pas été très en forme physiquement parce qu'il y avait une préparation avant, il y avait les Jeux méditerranéens qui ont laissé beaucoup de traces, j'étais énormément fatigué, il fallait se remettre encore un peu, il fallait regarder les pieds sur terre, il fallait se remettre dedans, c'était pas forcément facile. J'ai beaucoup voyagé aussi entre deux. Et là aujourd'hui, j'ai encore énormément de marche sur mon 200 brasses quand je vois le dernier 50. Et c'est très bon augure pour la suite. Oran, un porte-bonheur, on va dire. Ouais, Oran, un vrai porte-bonheur. Et je pense que je vais avoir énormément de souvenirs. Et je vais rentrer à la maison avec des souvenirs plein la tête aussi. Donc c'est énorme de partager ces moments-là avec le public. Merci beaucoup. Bon courage pour le reste. Aujourd'hui, l'Algérie a une médaille d'or de l'athlète, du meilleur athlète de cette compétition, Djaouet Saïoud. On revient vers vous et juste après, on vous donne plus de précisions sur les résultats de la journée.